Avec ses paysages à couper le souffle, son climat tropical et son peuple chaleureux, le Brésil, tout en cliché, n'en finit pas de faire rêver. Pourtant, derrière l'image de carte postale, la population est inquiète. Depuis plus d'un an, des bébés affluent à l'hôpital avec des troubles moteurs. Et elle est où, la petite grenouille ? On va la cacher ? On la cache ? Allez, vas-y, appuie. Difficultés de coordination, retards mentaux, toujours les mêmes symptômes et un seul coupable, le virus Zika, transmis par une simple piqûre de moustique pendant la grossesse. Face à cette épidémie inédite, le Brésil est sur le pied de guerre, mais la menace s'étend bien au-delà du pays. À chaque nouvelle épidémie de grande ampleur, le monde entier se met à trembler. Il faut dire qu'avec la densité des échanges aériens, aujourd'hui un virus peut pratiquement parcourir 20 000 km en moins de 24 heures. Alors quels sont les véritables risques, notamment de contagion? Sommes-nous capables de nous défendre? C'est à ces questions que nous allons répondre aujourd'hui, ici au Brésil. On va voir comment ce pays et la communauté internationale luttent contre le Zika. Entre l'homme et les virus, c'est une lutte sans merci qui dure depuis la nuit des temps. Une lutte à laquelle l'humanité a bien failli ne pas survivre. Au XIVe siècle, pratiquement entre le tiers et la moitié de la population d'Europe a été tuée par une épidémie de peste. Ces tueurs invisibles font toujours des ravages. Le choléra, Ebola, et même un virus comme la grippe, apparemment anodin, mais qui entraîne chaque année, en moyenne, 9000 morts en France. On meurt de grippe, on meurt soit directement de la grippe, soit de ses complications. Au fil des siècles, la médecine a remporté des batailles capitales, grâce à des aventuriers méconnus qui ont pris des risques fous pour traquer les virus. Il va au-devant des dangers terribles, il y a des charges d'éléphants, des attaques de tigres. De coups de chance en coups de génie, les scientifiques ont inventé des armes révolutionnaires. Il a découvert le vaccin. Dans l'histoire de la médecine, il y a une ère avant Pasteur et une ère après. Ces armes, nous allons découvrir comment elles ont été mises au point et comment, aujourd'hui encore, elles nous sauvent. En suivant Patricia, Vanessa, Gabriel, ces scientifiques brésiliens lancés sur la piste du virus Zika, nous allons partager ce nouveau défi contre l'infiniment petit, cette nouvelle aventure de médecine. Recife, au nord-est du Brésil. C'est ici que sont apparus les premiers cas d'anomalies chez des nourrissons en 2015. Et en particulier dans les quartiers les plus populaires. Sur les hauteurs de la ville, j'ai rendez-vous avec Milena, Jocinaldo et leur fils, Davi. Hola, bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Davi? Davi est né avec un cerveau plus petit que la moyenne. Une microcéphalie qui a des conséquences sur sa motricité. Aujourd'hui, il a 1 an et 5 mois. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Davi ne bouge pas. Si on le met dans une position, il reste dans cette position. Et puis, il n'ouvre pas sa main. Sa petite main est bien fermée. Comment vous avez reçu, comment vous avez vécu ce diagnostic de microcéphalie? Quand vous découvrez que votre bébé est différent, spécial, ça a été difficile. Pour moi, il était tellement attendu que ça n'a fait qu'augmenter mon amour pour lui. Qu'il ait la microcéphalie ou non. Et puis, je ne le compare pas aux autres enfants normaux. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un motif pour se réjouir. C'est mon nez qui le fait rigoler. J'ai l'habitude. Oui, je sais.
Ne dis rien, je sais. Comme Davi, plus de 2000 enfants brésiliens sont nés avec une microcéphalie à l'automne 2015, sans que personne, à l'époque, ne sache pourquoi. Il aura fallu des mois pour remonter jusqu'au virus Zika. Une véritable enquête médicale que nous allons revivre avec ceux qui l'ont menée. Tout a commencé ici, dans ce centre associatif dédié aux enfants handicapés. C'est là que je viens rencontrer celle par qui a débuté l'enquête. Depuis le premier jour, elle se bat pour ses enfants. En temps normal, la microcéphalie est rarissime. Alors quand la neuropédiatre Vanessa van der Linden a vu les cas se multiplier, elle a été la première à donner l'alerte. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites qu'il y a quelque chose de bizarre ? Le premier cas qui a attiré mon attention, c'était un patient que j'ai reçu au début du mois d'août 2015. J'ai fait toutes les investigations possibles. Ce qui m'intriguait, c'est qu'il avait bien eu une infection congénitale, mais je n'en trouvais pas la cause. Vers le 15 septembre, j'ai commencé à voir chaque semaine un nouveau cas de microcéphalie, à tel point qu'un jour, j'en ai même vu trois en une seule journée. Fin septembre, je discutais avec une collègue d'un autre hôpital et elle m'a dit « Vanessa, tu ne te trompes pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi aussi, je vois des cas de microcéphalie. » Quand on a cette suspicion qu'il se passe quelque chose d'anormal, à quel moment on décide, c'est un travail d'équipe, bien sûr, de lancer une alerte au ministère de la Santé? Avec ces nouveaux cas toutes les semaines, j'avais besoin de comprendre de quoi il s'agissait. Mais pour approfondir les recherches, il me fallait un soutien financier. Alors, je suis allée voir la secrétaire de la Santé et je lui ai dit « Je ne sais pas si c'est moi qui suis folle, mais je pense qu'il y a une nouvelle maladie et j'ai besoin d'aide. » Comme ça concernait des enfants et qu'ils ont vu la gravité de ces malformations provoquées par une nouvelle infection virale, c'est allé très vite. Une nouvelle infection virale, un virus inconnu responsable de la malformation, restait à trouver lequel. Aujourd'hui, on sait que les micro-organismes, virus et bactéries sont partout et qu'ils causent de terribles maladies. Mais pendant des siècles, on a totalement ignoré ce monde de l'invisible. Le premier à avoir vu des microbes n'était pas un scientifique, mais un marchand de tissus. À quelques rues du petit port de Delft, Anthony von Leeuwenhoek s'affaire dans sa boutique. Il a reçu de nouvelles étoffes pour confectionner les draps d'un riche client. C'est la grande tradition de la draperie flamande. Non seulement on tisse, mais on fait venir beaucoup de tissus de l'extérieur, en particulier des soies qu'il faut contrôler, qu'il faut vérifier. Consciencieux, le jeune marchand veut s'assurer de la qualité de ce tissu venu des Indes. Et les drapiers à cette époque, pour vérifier la qualité des tissus, utilisaient des loupes. Et ces loupes permettaient de compter le nombre de fils. Et en fonction du nombre de fils et de leur finesse, ils pouvaient attester de la qualité ou de la grossièreté d'un tissu ou d'un drap. Et lorsqu'il ferme son échoppe, Leeuwenhoek n'oublie jamais d'emporter avec lui son précieux outil de drapier. Dans la pénombre de sa chambre, il va lui trouver une toute autre utilité. Anthony von Leeuwenhoek est un curieux. Donc, il utilise son compte-fil pour regarder tout ce qui l'entoure. Il regarde les choses qui traînent sur la table, des morceaux de pain, et même il regarde ses cheveux. Il fait des choses qui, sans arrêt, le poussent à avoir plus, plus loin, plus gros. Bientôt, sa loupe de drapier ne lui suffit plus. De fil en aiguille, Leeuwenhoek se met en tête de fabriquer des lentilles grossissantes. Anthony von Leeuwenhoek est au fond un bricoleur né. Des nuits entières, penché sur son établi, l'artisan ingénieux finit par trouver la bonne technique. Il prenait un bâton de verre, il le mettait sous une flamme et il y avait une goutte qui apparaissait. Et là, au miracle,
il s'aperçoit que ces petites perles de verre sont capables de grossir énormément, beaucoup plus que son pont de fil. Leeuwenhoek a l'idée de glisser cette perle de verre entre deux plaques de laiton percées d'un trou. Il y ajoute une petite tige et une aiguille. Minuscule, rudimentaire, l'instrument qu'il vient de créer est pourtant un microscope hors du commun. Rien à voir entre ce petit appareil, que l'on appelle microscope, et avec l'appareil inventé par Galilée, où il y a deux lentilles dans un tube. Ça n'a rien à voir, et pourtant, son appareil est extrêmement performant, parce qu'il va lui permettre de voir des grossissements absolument considérables. On sait que les meilleurs microscopes de Leeuwenhoek grossissaient jusqu'à 400 fois. Alors que les autres microscopes qui existaient à l'époque grossissaient 30, 40, peut-être 60 fois au maximum. Donc il y avait un énorme fossé entre ces microscopes et celui fabriqué par Leeuwenhoek. Grâce à la puissance de ce microscope, l'artisan se découvre l'âme d'un pionnier. Anthony von Leeuwenhoek n'a plus qu'une obsession. Scruter, examiner, fouiller le monde qui l'entoure. Il n'avait aucune culture scientifique, mais il avait une qualité scientifique qui était la curiosité. Et sa curiosité était insatiable. Il regarde tout. Il regarde le lait, il regarde une feuille, il voit un pouls, il regarde le pouls, et ainsi de suite. Tout ce qui l'entoure passe dans son microscope. Cet objet, tellement particulier, exige une certaine minutie. Leeuwenhoek le tenait dans sa main. Il mettait l'échantillon sur une petite pointe placée juste devant la lentille. Et ensuite, il observait à la lumière. Rien de ce qu'il voit n'a jamais été décrit. Ses observations frénétiques vont mener le drapier à faire une découverte révolutionnaire. En ce matin du 9 octobre 1676, une pluie de rue tombe sur Delft. Mauvaise journée pour le commerce. Qu'importe, le scientifique amateur n'a qu'à se pencher par la fenêtre pour trouver un nouvel objet d'étude. Il recueille de l'eau de pluie dans un verre. Et il se met à observer des petites gouttes sous son microscope. Et dans cette goutte d'eau de pluie, il va découvrir un monde, une foule de petits animaux qui bougent, qui ont des flagelles, qui se déplacent. C'est véritablement pour lui un rêve, un éblouissement, un rêve d'enfant. Sous ses yeux, un spectacle inouï. Un bal et incessant de centaines de minuscules créatures vivantes. Il dit qu'elles ont des petites jambes, qu'elles ont des bouches, parfois qu'elles s'embrassent les unes les autres ou passent d'un endroit à l'autre de la goutte d'eau comme des souris. Avec ces petites bêtes improbables, Leeuwenhoek est en fait le premier homme au monde à avoir vu des micro-organismes. Il leur donne le nom d'animalcules. C'est comme la découverte de l'Amérique. On ne savait pas que l'Amérique existait. Christophe Colomb découvre un continent. C'est pareil, il y avait un monde qu'on ne pouvait pas imaginer exister, qui était un monde microscopique, grouillant, animé. C'était quelque chose d'incroyable. Mais comment convaincre ses contemporains de l'existence de ce monde invisible ? Depuis quelques années, le savant autodidacte a pris l'habitude de décrire minutieusement chacune de ses observations. Des lettres accompagnées de dessins qu'il adresse à la Royal Society de Londres, l'institution scientifique la plus influente de son temps. La qualité de ses observations était telle que quand il envoyait ses lettres, elles étaient traduites en anglais et elles étaient publiées. Donc il était vraiment pris au sérieux et il est devenu partie prenante de l'élite scientifique de l'époque. Des lettres révélant ce qui se dévoile sous son microscope, Leeuwenhoek en écrira plus de 250 au cours de sa vie.
Mais il y en a une qui marque un tournant sans précédent dans l'histoire des sciences. Nous sommes le 17 septembre 1683. Anthony von Leeuwenhoek a fait une petite expérience. Il ne s'est pas lavé les dents pendant 3 jours, donc elles se sont recouvertes d'une fine couche de saleté. Il a retiré tout ça, l'a dissous dans un peu d'eau et ensuite il l'a mis sous son microscope. En examinant le tartre recueilli entre ses dents, le drapier se retrouve face à des créatures d'un nouveau genre. Il voit à côté des animalcules des êtres beaucoup plus petits qui sont en bâtonnets ou comme des coques qui parfois sont très mobiles et surtout qui sont très nombreux. Et donc c'est une découverte totale. Sans le savoir, il est le premier à avoir vu en fait des bactéries. Il y a un monde avant et après Leeuwenhoek, car Leeuwenhoek va ouvrir la voie du monde de l'extrêmement petit, qui va avoir une importance considérable en sciences naturelles et en médecine. Leeuwenhoek a révélé au monde entier l'existence des microbes, mais il n'a pas perçu leur rôle dans les maladies. Pour franchir ce pas, il faut attendre près de 2 siècles et un certain Louis Pasteur. C'est lui qui va élaborer la théorie des germes et prouver que chaque maladie infectieuse correspond à un microbe précis. Rien de tout ce qui va suivre n'aurait été possible sans le génie d'un drapier hollandais du XVIIe siècle. Retour à Recife, au Brésil, sur les traces du microbe responsable des milliers de bébés microcéphales. À l'hôpital Oswaldo Cruz, je rencontre Patricia Jungmann. En 2015, au début de l'épidémie, elle a fait partie des premiers médecins qui ont cherché à identifier le coupable. Bonjour, professeur Jungmann. Oui. Vous êtes anatomopathologiste, autrement dit, vous étudiez les tissus pour voir si les tumeurs sont de tel type ou pas. Vous êtes immunologiste. Oui. Vous étudiez le système immunitaire. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette histoire d'épidémie ? J'ai eu un appel de mon collègue, qui était une médecin fœtale, qui a fait les premières images des bébés pendant la grossesse, des fœtus qui ont des microcéphalies. Des échographies pendant la grossesse, comme on le fait partout. Exactement, ça. Et il était complètement désespéré parce qu'on n'avait pas d'explication pour ça. L'explication, les scientifiques comme Patricia sont allés la chercher jusque dans le ventre des futures mères, dont les échographies révélaient une malformation. Ça, c'est une image des résonances magnétiques. Ça, c'est l'utérus de la mère. D'accord. Ça, c'est un fœtus entier qui est là-dedans. Ici, on a le crâne qui est aplati et la protubérance de la région occipitale qui est très caractéristique de cette microcéphalie. C'est au cœur des cellules du fœtus que les chercheurs ont découvert le fautif, un virus dévastateur. Pour rejoindre le fœtus, il traverse le placenta. Ici, on voit des cellules nerveuses humaines. Et en vert, ici, on voit le marqueur de virus. Le virus, il a un tropisme très particulier pour ces lignes de cellules. On parle de tropisme en médecine, c'est une attirance. Quoi. Il va aller plus particulièrement sur certaines cellules nerveuses. Exactement. Ça ne va pas dans le foie, dans les reins, mais va dans cette cellule souche nerveuse. Ce virus attaque les cellules souches neurales, celles qui, dans le premier trimestre de grossesse, donnent naissance aux neurones pour former peu à peu le cerveau du bébé. Donc, à partir du moment où le virus, c'est ce qu'on a vu, hein, se met sur la cellule, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va induire la cellule à mourir. C'est en analysant ce virus tueur que les chercheurs ont eu la révélation. C'était un virus qui venait juste de faire son apparition au Brésil, le Zika.
En quelques semaines, le coupable venait d'être désigné. Trouver ainsi le microbe fautif, c'est la première étape pour lutter contre une épidémie. Et dans l'histoire, c'est ce qui a cruellement manqué aux médecins désemparés face au pire fléau. Prenez la peste, par exemple, des millions de victimes pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un médecin baroudeur parvienne à isoler la bactérie responsable. C'était en Asie, pour ça, il lui a fallu pas mal de persévérance et un petit coup de pouce du destin. Le 15 juin 1894. Alexandre Yersin débarque dans le port de Hong Kong. Ce médecin français d'origine suisse a tout juste 30 ans. Il se retrouve au cœur de la pire épidémie de peste du 19e siècle. Il arrive là, dans une ville complètement dévastée. Un très grand nombre d'habitants ont disparu. On brûle les cadavres, on brûle les maisons. On dit que 80 à 100 000 Chinois ont fui la ville. Les gens meurent comme des mouches. On ramasse les cadavres, on les enterre dans des fosses avec de la chaux. C'est un spectacle de désolation totale. En cette fin du 19e siècle, la peste demeure ce qu'elle est depuis la nuit des temps. Une malédiction. Cette maladie qui s'est ancrée dans le subconscient collectif comme aucune autre maladie dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas oublier qu'au XIVe siècle, pratiquement entre le tiers et la moitié de la population d'Europe a été tuée par une épidémie de peste. On considère que c'est Dieu qui envoie pour punir les hommes la peste sur Terre, de façon à détruire tous ces gens qui sont pleins de péchés. Les médecins sont désespèrent de trouver un remède à ce fléau. On est complètement démunis devant cette maladie. Trouver le coupable, identifier le microbe responsable de ce fléau millénaire, c'est la mission officielle confiée par la France à Alexandre Yersin. En ce mois de juin 1894, la peste qui ravage Hong Kong s'est étendue jusqu'aux portes de l'Indochine, à l'époque colonie française. Directement menacé, le gouvernement a fait appel à ce jeune médecin surdoué. Alexandre Yersin est un chercheur qui a travaillé avec Pasteur. Il s'était déjà fait un nom de scientifique avec la découverte de la toxine diphtérique. Il fait partie des personnes au monde, à l'époque, des personnes qui ont les meilleures connaissances dans le domaine de la bactériologie. Scientifique renommé, Yersin est aussi un aventurier, un explorateur. Avant de poser ses valises à Hong Kong, il a sillonné les territoires méconnus de l'Indochine, parfois au péril de sa vie. Et c'était extrêmement difficile, d'abord très fatigant, dans des chemins pas vraiment tracés, avec des animaux sauvages, il y avait quand même des tigres à l'époque, on pouvait rencontrer des tribus qui étaient souvent hostiles. Il va faire même le coup de feu avec des brigands, il aura d'ailleurs à cette occasion le pouce gauche sectionné, donc il prend des risques énormes. Avec un tel parcours, qui mieux que Yersin pouvait espérer percer le mystère de la peste. Mais lorsqu'il arrive à l'hôpital central de Hong Kong, personne ne l'attend comme le sauveur. Il est même accueilli assez froidement. Les Français, Hong Kong est sous la domination britannique. Or, la perfide Albion n'a pas trop envie de voir les Français de Pasteur se mêler de ses affaires. Et il va se trouver en compétition avec une autre équipe, qui est une équipe de Japonais. Cette équipe, c'est celle du professeur Kitasato. Mandaté par les autorités britanniques, il est bien décidé à ne pas laisser le jeune Français lui voler la vedette. Yersin est mis à l'écart.
Yersin se contente d'installations de misère. Il vit dans une petite cahute en bambou. Il y a deux petites pièces, si on peut appeler des pièces, sa chambre, et puis il va ménager dans l'autre son laboratoire avec ses quelques instruments et son microscope. Démuni, il lui manque surtout l'élément essentiel pour ses recherches. Tous les cadavres de ceux qui sont décédés de la peste sont confiés aux Japonais et jamais à Yersin. Sans cadavres, sa mission est vouée à l'échec. Car le jeune chercheur en est convaincu, le responsable de la peste se terre dans les bubons, les abcès disséminés sur le corps des victimes. Mais comment y accéder ? Il va devoir ruser. Juin 1894. Au milieu de la nuit, Yersin soudoie un marin anglais chargé de surveiller la morgue de l'hôpital. Il va aller dans la cave de l'hôpital où se trouvaient quelques cadavres qui étaient sur le point d'être enterrés, qui avaient été déjà recouverts de chaux et d'un drap. Il soulève le linge et il enlève un peu la chaux. Très rapidement, il détecte un bubon inguinal ici, un bubon dans l'aine ici, un bubon à un autre endroit. Et puis en une minute, il extirpe ses bubons. Et comme un voleur, il va vite partir dans sa paillote pour examiner ce bubon sous microscope. Fébrile, Alexandre Yersin commence immédiatement les analyses. Il incise le bubon, prélève un peu de pu. Il y ajoute une préparation pour le colorer. Puis il glisse la lame sous son microscope. L'opération dure quelques minutes à peine. Elle va faire basculer le destin de l'humanité. Il va découvrir un microbe qui pullule dans le bubon et il est persuadé que c'est lui l'agent de la peste. Il décrira, je me trouve face à une véritable purée de microbes. Maintenant, il s'agira évidemment de confirmer ce premier diagnostic. Pour en avoir le cœur net, Yersin va inoculer le germe à des rongeurs. Il s'enferme dans son laboratoire de fortune, jusqu'à obtenir la preuve qu'il cherche. Dès le lendemain, les premiers animaux meurent. Yersin est cette fois tout à fait sûr qu'il a identifié l'agent de la peste parce qu'il retrouve dans ses animaux exactement le même micro-organisme qu'il avait trouvé dans les premiers malades de la peste. Cette découverte est absolument incroyable. En une semaine, il va avoir fait toute la recherche fondamentale qui va amener à la découverte du microbe. Yersin doit sa découverte à son intuition de chercher le bacille de la peste dans les bubons. Mais aussi à la chance. Car le bactériologiste de talent a bénéficié d'un coup de pouce du destin. Son manque de moyens par rapport à l'équipe japonaise s'est avéré être un atout. Le professeur Kitasato était équipé d'une étuve à 37 degrés et Yersin, sans le savoir, s'est contenté de la température ambiante pour incuber ses cultures. Or, il se trouve que le bacille de la peste se développe beaucoup mieux à 30 degrés qu'à 37 degrés. Coup de chance, coup de génie. Yersin vient d'ouvrir la voie. Le combat contre la peste peut commencer. C'est quand même une chose extraordinaire quand on pense que cette maladie était crainte depuis le début de l'humanité et que personne ne savait ce qui causait la peste. Conscient de l'importance de sa découverte, Yersin expédie aussitôt à l'Institut Pasteur de Paris 21 tubes contenant des échantillons du bacille de la peste. Pour Alexandre Yersin, la suite, ça peut être que
d'approfondir les recherches initiées à Hong Kong et surtout de rechercher un moyen de prévenir dans le futur, de guérir ou de prévenir l'agent de la peste. Quand les prélèvements arrivent entre les mains de Pasteur à l'été 1895, la recherche d'un remède est lancée. Mais il faudra attendre un demi-siècle et l'avènement des antibiotiques pour pouvoir guérir la peste. En l'absence de traitement précoce, elle tue encore une centaine de personnes par an à travers le monde. À l'hôpital Osvaldo Cruz de Recife, je suis toujours en compagnie du docteur Patricia Jungmann. Elle m'explique que le lien établi par les chercheurs brésiliens entre la microcéphalie et le virus Zika est une grande première. Finalement, qu'est-ce qu'on sait de ce virus? Comment il agit? Et qu'est-ce qui se passe quand le virus rentre dans le corps d'une femme enceinte? Ça, c'est des choses assez bizarres. C'est la première fois que ce type de virus a traversé la placenta. Jamais. Le placenta. Le placenta. Ah. Et à ce moment-là, quand on a trouvé pour la première fois au Brésil la présence de virus dans les liquides amniotiques. C'est le liquide dans lequel baigne finalement le fœtus pendant toute la grossesse. Justement, la liaison entre le virus, la microcéphalie, la femme enceinte qui était la maladie, a été établie pour la première fois. Cette capacité du Zika à passer de la mère au fœtus n'avait jamais été observée auparavant. Pourtant, ce virus était déjà connu. Le Zika a été détecté pour la première fois en 1947 en Afrique, chez un macaque vivant dans la forêt Zika, en Ouganda. Transmis par des moustiques, le Zika apparaît ensuite chez l'homme épisodiquement dans quelques pays d'Afrique et en Asie. Mais les effets constatés sont bénins. Dans 80% des cas, aucun symptôme. Et le reste du temps, une simple fièvre et une éruption cutanée. Les premières épidémies sont repérées en 2007 sur une île du Pacifique, puis en Polynésie en 2013. Mais les conséquences sont restées minimes. En 2015, le Zika arrive au Brésil, aux Antilles, en Guyane et en Amérique centrale. La densité de population et la concentration des moustiques font alors exploser le nombre de contaminations. C'est là qu'apparaissent des cas de microcéphalie suffisamment nombreux pour déclencher l'alerte. Si le taux d'infection a atteint des sommets au Brésil, c'est aussi parce que cette population n'avait jamais encore rencontré ce virus. Car prendre l'organisme humain par surprise, c'est la grande force de ces tueurs invisibles. Et le meilleur à ce petit jeu, c'est celui de la grippe saisonnière qui change chaque année d'identité pour toujours prendre le système immunitaire en défaut. La France grippée, l'épidémie progresse partout. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée. Certains services d'urgence sont saturés. Mobilisation générale face à la grippe. Réunion demain à l'Élysée. Une incroyable épidémie de grippe qui a touché une maison de retraite lyonnaise et un bilan extrêmement lourd. 13 morts, une enquête a été réclamée. À l'hiver 2016, la grippe a fait de nombreuses victimes qui ont dû être prises en charge par les services de réanimation. Virus apparemment bénin, la grippe tue chaque année en France en moyenne 9000 personnes, parmi les plus âgées et les plus fragiles. On meurt soit directement de la grippe, soit de ses complications, avec plusieurs types de complications. On connaît les complications cardiaques, neurologiques, mais on connaît aussi la surinfection qui va aggraver les malades sur un plan respiratoire, les conduire en réanimation, et malheureusement, on va en perdre quelques-uns. Et puis on connaît les complications sur l'emballement de la maladie et les atteintes des autres organes, le cœur, le rein, le foie, et on va se retrouver dans une situation compliquée et malheureusement, parfois en mourir. Ce virus, c'est lui. Extrêmement contagieux, il se répand chaque hiver en quelques semaines au sein de la population, se multiplie et peut même changer d'identité. Le virus de la grippe, c'est un virus extrêmement plastique et donc il peut y avoir des mutations en permanence. Il y a des mutations en permanence. On pense même qu'au cours d'une grippe, la multiplication des virus
peut entraîner des mutations à l'intérieur d'un même patient. Donc c'est un virus très très adaptable qui va muter, pourquoi ? Pour pouvoir trouver de nouvelles victimes, si je puis dire, de nouvelles personnes à infecter. C'est cette spécificité qui a fait de la grippe dite espagnole, en 1918, un des pires fléaux de l'histoire. Une souche nouvelle, une population non immunisée, et l'on a compté les morts par dizaines de millions dans le monde entier. Face à cette grippe tueuse, on tente dès les années 50 de mettre au point un vaccin. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. L'ennemi à combattre est particulièrement retors. Car en plus de changer chaque année, la grippe peut exister sous plusieurs formes, en même temps. Chaque année, plusieurs virus grippaux peuvent circuler. Une épidémie classique a un virus majoritaire avec un autre virus qui peut co-circuler, mais en général à bas bruit. H3N2, H1N1, des noms un peu barbares dont on vous parle chaque année pour désigner ces familles de virus grippaux qui peuvent circuler en même temps et se recomposer à loisir. Comment, dans ces conditions, réussir à fabriquer 6 mois à l'avance un vaccin contre la prochaine grippe? Il y a quelque part un pari, quoi. On essaye en fait de prédire. C'est un peu comme quand on fait la météo, mais sauf que là, au lieu de prédire à 10 jours le temps, on le prédit à 6 mois. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, c'est très compliqué. Et on essaye de prédire en fait qu'est-ce qui va se passer dans le monde des virus pendant ces 6 mois et pour essayer de se dire, bon, celui-là, il a le plus de chances d'être représentatif des virus qui vont circuler quand le vaccin sera mis en place. Voilà pourquoi personne n'est sûr à 100% que le vaccin contre la grippe, fabriqué chaque année en 6 mois, sera efficace. Si le virus de la grippe revient chaque année, son impact sur la population échappe à tous les pronostics. Au Brésil, aucun épidémiologiste n'avait prévu cette flambée de Zika, la plus importante jamais observée au monde. Le virus s'est propagé avec une rapidité foudroyante grâce à un vecteur redoutablement efficace, le moustique. Dans une favela de Recife, j'accompagne des employés municipaux chargés de débusquer ce minuscule agent infiniment nuisible. Voilà, ça c'est un exemple. Ça, c'est un risque de stagnation de l'eau, donc de présence de moustiques. Oui, clairement. Clayton, Miguel et Jorandir sont à l'affût du moindre point d'eau stagnante parce que c'est là que se développent les larves du moustique incriminé. L'ennemi que traquent les employés de la municipalité de Recife, c'est lui, ce moustique Aedes aegypti qui au départ vient d'Afrique. Il ne mesure que 5 mm, mais il est redoutable parce qu'il peut transmettre le virus Zika en une seule piqûre. C'est précisément dans cette zone de la ville que le Zika a fait le plus de ravages. Climat chaud, densité de population, absence d'eau courante, égout à ciel ouvert encombré d'ordures, tous les facteurs sont ici réunis pour que les moustiques prolifèrent et transmettent le virus. Bonjour, c'est la municipalité. On a vu des déchets là dans la rigole et on passe pour dire aux habitants que c'est important de bien emballer leurs déchets. D'accord, merci. Sans relâche, l'équipe fait du porte-à-porte pour sensibiliser la population. Bonjour madame, c'est la municipalité. Notre travail, c'est de passer dans chaque maison. Chez l'habitant, les équipes de la municipalité inspectent chaque recoin, chaque point d'eau. La moindre brèche dans un réservoir suffit pour qu'un moustique y entre et dépose ses œufs. Apparemment, ce réservoir est bien fermé, bien protégé là. On voit que les habitants ont fait attention. En fait, la dame a deux réservoirs, l'un bien fermé, l'autre en partie ouvert. Donc là, le problème,
c'est qu'il y a manifestement une ouverture dans laquelle les moustiques peuvent aller vivre. On avait mis un plastique pour bien fermer, mais avec le soleil, vous voyez, il a séché. Si vous regardez là, dans le fond, il y a des larves au premier stade de développement. Vous voyez des larves, là. Moi, je ne les vois pas, moi. Ah oui, il y en a une dans le fond, là, qui est... C'est tout petit. C'est une larve d'Aedes. On arrive même, juste en la regardant bouger, à la différencier des autres espèces. Maintenant, on va devoir traiter le réservoir. Clayton utilise un larvicide biologique. Cette eau doit être traitée et non pas jetée aux égouts, sous peine de les contaminer. S'attaquer ainsi au vecteur d'une épidémie, à l'agent qui la répand, c'est la meilleure façon de limiter la propagation d'une maladie infectieuse. Dans l'histoire, le premier scientifique à l'avoir compris est un médecin anglais du 19e siècle, confronté alors à un autre fléau, le choléra. À l'époque, le choléra fait des ravages, mais on ne comprend pas comment la maladie se répand. Le docteur John Snow mène une véritable enquête policière pour résoudre cette énigme. Deux silhouettes filent à toute allure dans la nuit. Une femme affolée guide le médecin du quartier à travers le dédale de rue qui mène jusqu'à chez elle. Chaque minute compte. Une nuit, John Snow est réveillé par une femme qui lui dit de venir en urgence auprès de son mari qui est en train de mourir. L'agonie a commencé la veille, avec d'atroces crampes d'estomac. Et Snow voit un homme en train de se vider complètement. Il vomit, il a une diarrhée épouvantable. Son cœur s'épuise, le visage est creusé, le souffle court. Tout son organisme souffre de déshydratation. John Snow connaît les signes du choléra et il fait le diagnostic du choléra. À l'époque, l'issue du choléra est inéluctable. Parfois, la mort peut prendre que quelques heures. Même, on a vu des morts en 2 ou 3 heures. Cette nuit-là, plusieurs de ses patients succombent. Et il se rend compte qu'une épidémie de choléra est en train de naître sous ses pieds dans son quartier. C'est une épidémie très violente. 12 personnes attrapent la maladie cette nuit-là. Donc Snow est en première ligne dès le début. Comme c'est le médecin de quartier, c'est lui que les malades viennent voir pour obtenir un traitement. Il n'existe aucun remède. Mais John Snow ne se résout pas à abandonner ses patients à la malédiction du choléra. Être au service de cette population défavorisée est pour lui une vocation. Un choix qu'il a fait quelques années auparavant. Pourtant, tout destinait John Snow à une brillante carrière dans la haute société britannique. John Snow s'est rendu célèbre à un certain moment parce qu'il a été celui qui a fait la première anesthésie générale de la reine d'Angleterre pour son accouchement. Précurseur reconnu, le docteur Snow n'a pourtant jamais trouvé sa place dans la communauté médicale de son temps. John Snow était un homme très particulier. Il était végétarien, il était célibataire, ce qui est rare pour l'époque. Il ne buvait que de l'eau distillée, il ne buvait pas d'alcool. Il ne cherche pas à gagner de l'argent, il est très désintéressé. Et véritablement, c'est une sorte de saint laïc et il s'installe comme médecin généraliste dans un quartier pauvre de Londres, qui est le quartier de Soho. Un quartier d'ouvriers et d'immigrés, où l'on vit entassé dans des taudis. La saleté, la surpopulation, l'absence totale d'intimité. Si vous cherchez le pire de la pauvreté à Londres au 19e siècle, c'est à Soho que vous le trouverez. En bref, c'est un gigantesque cloaque. En cette fin d'été 1854, toutes les conditions sont réunies pour que le choléra ravage ce quartier.
Jon Snow le sait, car il a déjà été confronté à une épidémie similaire 5 ans plus tôt. Son expérience lui a fait toucher du doigt que c'était probablement une maladie contagieuse transmise par l'eau ou l'alimentation, puisque c'était une maladie essentiellement digestive. En pratiquant des autopsies, il a observé que le choléra s'attaque aux intestins et non aux poumons, comme le suggère la théorie dominante à l'époque, la théorie des miasmes. Qu'est-ce que la théorie des miasmes ? Eh bien, c'est l'air. L'air qui porte de mauvaises odeurs, de mauvais éléments. Cet air serait responsable de toutes ces maladies infectieuses et aussi du choléra. Pour le docteur Snow, ce n'est pas l'air qui serait à l'origine du choléra, mais l'eau. Reste à trouver la source de la contamination. Snow se transforme alors en détective médical. Il se lance sur la piste de cette maladie en cherchant des indices pour la démasquer. Dès le lendemain, Snow se lance dans une véritable course contre la montre pour tenter de stopper le massacre. Et d'emblée, le médecin a une intuition. Il faut chercher le coupable du côté des pompes à eau du quartier. On allait chercher son eau à un puits et avec une pompe, on puisait l'eau, puis on se lavait avec, on buvait cette eau, mais il n'y avait pas d'eau courante du tout. Le médecin fait des prélèvements d'eau sur toutes les pompes de Sceaux. Malheureusement, Jon Snow avec son microscope ne voit rien. Parce qu'en fait, même quand le germe du choléra est présent, il est en petit nombre et c'est tout à fait normal qu'il ne voit rien. L'eau semble propre. Aucune preuve pour confirmer son intuition. Mais Snow ne se décourage pas. Le soir même, il retourne en plein cœur de l'épidémie. Donc Snow continue son travail de détective. Il localise chaque victime et surtout, il recueille des informations sur l'endroit où elle prenait leur eau. En 3 jours seulement, 127 personnes sont mortes. Minutieusement, Snow reporte chacun de ses décès sur un plan du quartier. Sous ses yeux, finit par apparaître une véritable carte de la mort. Avec au centre, une pompe. La pompe de Broad Street. Grâce à toutes ces données, Snow aboutit à une démonstration très simple, mais très claire du lien entre l'épidémie de choléra et la pompe de Broad Street. Le coupable semble tout désigner. Mais le médecin détective se heurte à une énigme. Une femme qui habite de l'autre côté de Londres, eh bien, elle aussi est atteinte par le choléra. Alors ça ne va pas, puisque s'il imagine que c'est la pompe de Broad Street qui est responsable, comment cette femme habitant à l'autre côté de Londres a-t-elle été atteinte par le choléra ? Snow pense qu'il doit y avoir un lien entre l'épidémie de Soho et ce qui est arrivé à cette femme, car il n'y a pas de choléra ailleurs dans Londres. Alors comment l'expliquer ? Impossible d'interroger cette femme, car elle est morte. Mais si Snow ne résout pas ce cas mystérieux, c'est toute sa théorie qui s'effondre. Après une nuit de recherche, il trouve un homme qui connaît la réponse. C'est le fils de la victime. Et son fils lui explique que sa mère habitait auparavant à Soho et qu'elle adorait l'eau de la pompe de Broad Street. Du coup, dès qu'un membre de sa famille, un de ses enfants ou un de ses proches venait lui rendre visite, elle leur demandait de lui apporter une bonbonne ou une bouteille de cette eau. C'est la preuve que Snow cherchait. La pompe de Broad Street est bien la source de la contamination. Reste à se faire entendre. Snow réussit, après bien des discussions, à être convaincant et il persuade enfin les autorités
de démonter le bras de cette pompe. Et là, comme par magie, dès le lendemain, l'épidémie de choléra s'arrête. Même si le choléra a tué plus de 500 personnes en une semaine, pour Jon Snow, c'est une immense victoire. Il a trouvé le moyen d'arrêter l'hécatombe. La vie reprend doucement son cours dans les ruelles de Soho. Mais le médecin reste profondément marqué par cette épreuve. Au cours de cette épidémie, il s'est occupé de patients qu'il connaissait depuis des années, et certains sont morts sous ses yeux. Donc ça a été non seulement une expérience fascinante pour Snow, le médecin, mais aussi une expérience émotionnelle très forte pour l'homme. Jon Snow en est convaincu. Le quartier n'est pas à l'abri d'une nouvelle épidémie de choléra. Pour protéger la population, il faut absolument comprendre pourquoi l'eau de cette pompe était souillée. C'est au hasard d'une discussion avec le révérend de Soho, Henry Whitehead, qu'il obtient un indice déterminant. Whitehead attire l'attention de Snow sur le cas d'un bébé mort 3 jours avant le début de l'épidémie. Mais Snow n'en avait pas tenu compte pendant son enquête, parce qu'on avait attribué ce décès à une banale diarrhée infantile et pas au choléra. Pour en savoir plus, les deux hommes se rendent chez la mère de ce bébé défunt. Elle habite au 40 Broad Street, juste en face de la funeste pompe à eau. Il l'interroge et la maman explique ce qu'elle faisait devant la diarrhée épouvantable de son bébé. Elle lavait les couches, évidemment, et l'eau qui avait servi à laver ses couches, elle la jetait dans la fosse des anses qui se trouve juste à côté, donc juste à côté de la fameuse pompe de Broad Street. Soudain, Snow a une révélation. Cette eau impure pourrait avoir contaminé la pompe. Pour le vérifier, il réclame aux autorités des travaux d'excavation autour de la fosse des Anses. Ces travaux vont montrer un peu plus tard que le revêtement en briques de la fosse des Anses était fissuré. Donc ça paraissait complètement plausible que l'eau sale ait pu s'infiltrer jusqu'au puits qui alimentait la pompe de Broad Street. Et que ce soit ça l'origine de l'épidémie qui a tué 500 personnes. Le médecin a enfin la preuve qu'il cherchait depuis des années. C'est par l'eau souillée que le choléra se propage. Il compile tous ses travaux dans un livre pour faire partager sa découverte. Mais il n'aura pas l'écho attendu. Dans le milieu médical, on n'a pas du tout suivi. La théorie des miasmes était trop forte. Ça n'a eu quasiment aucun impact. Ça a disparu. Ça a été oublié. Ça a été presque totalement ignoré. Jon Snow meurt 3 ans plus tard d'une crise cardiaque, incompris. Et pourtant, Snow est véritablement le premier épidémiologiste de l'histoire, car il a la méthode de l'épidémiologie, la carte, le registre, toutes ces notions intellectuelles de l'enquête. Eh bien, c'est Snow qui, pour la première fois dans l'histoire, les apporte à la communauté médicale. Sa clairvoyance de médecin détective lui a permis de comprendre le mode de propagation du choléra. Mais il faudra attendre 1883 et le microbiologiste allemand Robert Koch pour identifier la bactérie responsable de cette maladie. Aujourd'hui, on recense encore chaque année près de 4 millions de cas de choléra à travers le monde. Dans ce quartier de Récif, des agents de la mairie sensibilisent la population au risque de transmission liée aux moustiques. Le programme a démarré il y a une vingtaine d'années déjà pour lutter contre la dengue. Avec l'arrivée de Zika, les actions ont été renforcées. Jean Randy, vous êtes responsable du projet d'éradication des moustiques dans ce grand quartier. Ça fait des années que vous le faites. Vous avez réussi à réduire le nombre de moustiques considérablement ou pas ? Ces actions, depuis l'épidémie de Zika, nous ont permis de réduire de 2/3 le nombre de moustiques ici. On est au plus bas niveau d'infestation par les moustiques de cette décennie. Sensibiliser la population n'est qu'une première étape.
Il existe d'autres moyens de lutte contre les virus. C'est ce que je pars découvrir à Rio de Janeiro. À l'aéroport, lieu de transit par excellence, la prévention continue. À propos du moustique, mais pas seulement, car l'homme aussi peut véhiculer le Zika. Pour preuve, en France, on a recensé 12 cas de Zika transmis sexuellement par un partenaire contaminé au Brésil. Aujourd'hui, la multiplicité des transports commerciaux et humains dans le monde participe largement à la propagation des virus. Et l'histoire récente l'a montré. Ces échanges peuvent provoquer des catastrophes sanitaires planétaires. Ce fut le cas de la pandémie de SIDA. Il aura fallu 30 ans pour reconstituer l'incroyable chemin parcouru par ce virus, parti des tréfonds d'une forêt africaine. C'est un mal qui débute en général par une fièvre, un amaigrissement, des sueurs. Une particularité, elle n'atteint que les homosexuels mâles. On vient d'en dénombrer 220 cas, dont 91 mortels. 1981. Une mystérieuse maladie frappe la communauté gay américaine. Le 7 juin, à l'hôpital Claude Bernard à Paris, Willy Rosenbaum reçoit le bulletin médical qui décrit les premiers cas de ces homosexuels dont le système immunitaire s'est effondré. L'après-midi même, j'ai vu arriver un patient qui se présentait avec son avec un autre garçon qui tenait par la main. Et en l'interrogeant et en l'examinant, les symptômes qui étaient décrits dans ce que j'avais lu le matin même étaient présents chez lui. Ce mal inconnu a donc traversé l'Atlantique. En quelques mois seulement, les cas se multiplient en France. Le docteur Marina Karmochkine, alors toute jeune interne, en est le témoin désarmé. J'ai été confrontée à des gens qui avaient à peu près mon âge, souvent qui étaient confus, un peu déments, qui toussaient, qui avaient la peau abîmée. Et en plus, ils étaient quand même condamnés à mourir. J'ai accompagné sans doute des milliers de personnes vers la fin de leur vie. Et on était dans une certaine impuissance. En 1982, on finit par donner un nom à cet étrange cancer. SIDA, pour syndrome d'immunodéficience acquise. La psychose s'installe. Dans les hôpitaux, la peur de la contagion gagne médecins et infirmières. On les enfermait, on leur donnait à manger dans des assiettes en carton. Le personnel souvent ne souhaitait pas rentrer dans les chambres. Donc l'impression, c'est que c'était vraiment les nouveaux pestiférés. Il faudra attendre 2 ans pour que l'on identifie enfin le virus responsable. Le VIH, en anglais, HIV. Mais l'épidémie, elle, continue à s'étendre. Les malades meurent dans un terrible isolement, laissant le monde médical face à une énigme. Comment ce fléau est-il apparu ? Comme on vous le racontait en novembre dernier, la recherche du patient zéro est une véritable enquête médicale. Dès les premières années de l'épidémie, des médecins américains entament une enquête auprès des personnes contaminées. Ils cherchent à identifier un coupable, celui qui le premier a contracté la maladie, celui qui a déclenché l'épidémie, celui qu'on appelle le patient zéro. Les témoignages convergent vers cet homme, un steward canadien, homosexuel, dont l'identité est révélée en 1987. C'était un Canadien francophone qui s'appelait Gaëtan Dugas, le patient zéro, l'un des premiers cas de sida que l'on a identifié comme le premier vecteur de la maladie. Mort du sida en 1984, Gaëtan Dugas, le Québécois, est décrit comme un homosexuel séducteur et irresponsable, ayant contaminé ses multiples partenaires alors qu'il se savait malade. Ce patient qui a été identifié comme le patient zéro avait les caractéristiques maléfiques du diable suffisantes pour en faire le bouc émissaire parfait.
Gaëtan Dugas en coupable originel, on sait désormais que l'image était trop simple. C'est qu'aujourd'hui qu'on peut dire clairement que ce pauvre Gaëtan Dugas n'était pas le responsable, il était un maillon dans la chaîne épidémique. Car la façon dont le virus du sida s'est propagé dans le monde est une histoire autrement plus complexe qu'il aura fallu 30 ans pour démêler. Contre toute attente, c'est dans ces paysages d'Afrique centrale que la traque du virus du sida a mené les scientifiques. Le docteur Éric Delaporte est envoyé là-bas dès 1985 pour enquêter sur le terrain. Une piste africaine est en effet identifiée dès le début de l'épidémie, car parmi les tout premiers malades du sida pris en charge à Paris, certains sont des migrants. J'étais à l'époque interne à l'hôpital Claude Bernard. C'est vrai qu'on voyait arriver bien sûr beaucoup de gays, mais également des Africains, avec une symptomatologie qui était identique à ce qu'on observait dans la population gay. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'effectivement, les Aïrois en particulier, donc les Congolais maintenant, étaient particulièrement touchés. Le Zaïre. Dans sa capitale, Kinshasa, on comprend à partir de 1985 que là-bas aussi, le sida est en train de faire des ravages. L'épidémie mondiale est-elle en réalité partie de là? Quand et comment le virus du sida a-t-il infecté l'homme? Une nouvelle enquête commence. Au Gabon, pays voisin, Éric Delaporte et son épouse Martine Peters poursuivent leurs recherches. On savait déjà qu'il y avait probablement des primates impliqués dans l'origine de l'épidémie, donc on a commencé à tester le sang des primates. Et c'est comme ça qu'en 1987, on a vu pour la première fois un chimpanzé qui était animal domestique, qui avait des anticorps HIV1, comme un patient HIV1. Un chimpanzé séropositif. Les scientifiques suivent cette piste. Mais le défi est de taille. Il s'agit de rechercher la trace du virus chez des singes à l'état sauvage et sur une zone aussi vaste que les forêts d'Afrique centrale. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la nature comme marqueur indirect biologique pour faire de l'épidémiologie, voir si oui ou non les singes étaient infectés? Et bien, de façon tout à fait triviale, on s'est focalisé sur la crotte, la selle de singe. Au début, les gens nous prenaient pour des fous. Le projet est titanesque, ambitieux et durera des années. Des forêts sont passées au peigne fin, des milliers d'échantillons recueillis, un nombre infini d'analyses. Et en 2006, enfin, une révélation. On s'est aperçu que la souche de la même famille que celle du HIV1 qui a infecté la quasi-totalité des hommes en 30 ans provient d'une colonie qui vit au sud-est du Cameroun. L'origine géographique du virus, le point zéro. C'est là, dans cette forêt du Cameroun, que le virus est passé du singe, son réservoir animal, à l'homme. Quand cela s'est-il produit? De savants calculs ont permis de retracer l'histoire génétique du virus. La première souche humaine du HIV daterait de 1920. Pour autant, le mystère s'épaissit. C'était bien surprenant parce qu'il n'y avait pas de superposition entre l'origine géographique du virus et l'origine de l'épidémie. Il fallait que le virus sorte de la forêt. Comment a-t-il parcouru ces 1000 km? Que s'est-il passé entre 1920 et 1980? Comment le sida est-il devenu, en 60 ans, une pandémie? On est dans les années 1920. Il y a une route commerciale du sud-est du Cameroun vers ce qu'on appelait à l'époque Léopoldville, qui deviendra Kinshasa. Cette route commerciale, c'est une voie fluviale. L'hypothèse, c'est qu'un homme se serait contaminé en chassant un singe porteur du virus dans une forêt du sud-est du Cameroun. Il aurait ensuite rejoint Léopoldville par le fleuve
amenant le virus dans cette bourgade en pleine expansion. Dans le contexte colonial, se développe le commerce de caoutchouc, la construction de routes et de chemins de fer. Les travailleurs affluent à Léopoldville. Dans cette ville, il y avait un déséquilibre dans le ratio homme-femme avec 5 à 10 hommes pour une femme. Donc il y avait probablement pas mal de prostitution. Donc le virus a commencé à s'installer dans la population. De leur côté, les médecins coloniaux favorisent sans le savoir la propagation du virus en utilisant des seringues non stérilisées. Par les transports modernes, l'épidémie de sida gagne les pays voisins. Elle reste pourtant encore invisible. Il faut bien voir que dans un bruit de fond où il y a beaucoup d'autres maladies tropicales, la tuberculose, la maladie du sommeil, ça donne des ganglions avec beaucoup d'amaigrissements. Donc on a une épidémie qui commence à se développer à bas bruit sans être reconnue. Toujours insaisissable, l'épidémie va ensuite sortir du continent africain. Dans les années 60, des centaines d'Haïtiens viennent travailler à Léopoldville, devenue Kinshasa. Certains se contaminent et ramènent le virus en Haïti. Haïti est une plaque tournante à l'époque. D'abord, c'était un lieu de trafic de sang. Il y avait des milliers de litres de sang qui étaient envoyés aux États-Unis. Et puis également, c'était un lieu de tourisme sexuel et même de tourisme homosexuel. À leur tour, des gays américains se contaminent en Haïti. Et le virus finit par atteindre New York, puis la Californie et l'Europe. C'est les années 70, les grandes libertés sexuelles, pas mal de partenaires, etc. Et donc n'importe quelle maladie sexuellement transmise, dans ce cas-là, ne pouvait qu'exploser. Tous les facteurs de risque se sont donc conjugués au fil du XXe siècle pour provoquer une pandémie mondiale. Le sida est responsable à ce jour de plus de 30 millions de morts et reste chaque année encore l'épidémie contemporaine la plus meurtrière. À Rio de Janeiro, la guerre contre le Zika a commencé. Je vais à la rencontre d'un petit groupe de scientifiques qui a su se montrer plus malin que le virus. Leur idée, neutraliser directement le moustique. Ils sont morts ? Oui, ils sont tous morts. Sur ces moustiques capturés dans un quartier de Rio, Gabriel et ses équipes contrôlent la réussite de leur programme. La première chose qu'on fait, c'est séparer les mâles et les femelles. Et comment on arrive à reconnaître un mâle d'une femelle ? Est-ce que ça a des gros testicules ? Non. Il y a quelques différences entre eux, notamment leur taille. Les femelles sont plus grosses que les mâles et ils ont des structures physiques bien différenciées. Leur plan de bataille consiste à empêcher les moustiques de transmettre le Zika. Pour bloquer le virus, l'équipe a introduit artificiellement chez ces moustiques une bactérie, la Wolbachia. Luciano, voilà, on voit bien. C'est quoi cette bactérie ? Pourquoi finalement on la met dans ces moustiques ? À quoi elle va servir ? C'est une bactérie très courante dans la nature, mais on la trouve seulement chez les insectes. Aucun mammifère, aucun homme n'a jamais eu Wolbachia. Et on a découvert que quand les moustiques Aedes aegypti sont porteurs de cette bactérie, ils ne peuvent pas être contaminés par un virus. On s'est d'abord rendu compte que ça marchait pour la dengue, puis le chikungunya et plus récemment le Zika. Est-ce que le virus ne pourra pas rentrer ou est-ce qu'il ne pourra pas s'installer dans le moustique avec cette bactérie ? Pour se répliquer, le virus doit passer par les organes du moustique et pénétrer dans ses cellules. Si la Wolbachia est déjà présente dans ces cellules, elle va bloquer la réplication du virus. Donc le virus ne se propage pas dans la salive du moustique qui ne transmettra rien à l'homme. Gabriel m'emmène dans la pouponnière à moustiques. Ici, dans chaque cage, 2000 femelles déjà porteuses de la bactérie Wolbachia.
Les femelles, on leur donne du sang. Elles s'alimentent et produisent leurs œufs à l'intérieur de ces cages. Et on récolte les œufs comme ça, sur des rubans. Ce sont des rubans que l'on emmène sur le terrain, dans ce récipient. Et c'est ça qu'on va les déposer dans les favelas? Si. Ok, allons-y. Nous arrivons dans une favela des environs de Rio, avec, dans ce seau, 150 œufs de moustiques porteurs de la Wolbachia. Gabriel va les déposer dans cette petite épicerie tenue par Firmo, figure incontournable du quartier. Salut mon petit Firmo, ça va bien mon ami? Bon dia. Firmo, Michel. Tu peux juste me donner un peu d'eau s'il te plaît, Firmino? Les œufs ont besoin d'eau pour éclore. Au bout de combien de temps les larves vont devenir adultes? Dans environ 10-12 jours, les moustiques vont naître. Ils vont passer un moment à voler à l'intérieur, jusqu'à ce qu'ils trouvent ces petits trous sur le côté. C'est par là qu'ils vont sortir. Une fois qu'ils vont être sortis, ils sont adultes, ils sont porteurs de la bactérie. Ils vont aller s'accoupler avec d'autres moustiques à qui ils vont également transmettre la bactérie. Et comme ça, finalement, tous les moustiques de la favela vont être porteurs de la bactérie et donc ne pourront pas transmettre le virus. Exactement. C'est le scénario complet. Firmo, il y a déjà pas mal de moustiques dans la favela. Et là, en plus, on vous en remet d'autres. Ça vous embête pas? Non, ils ont déjà relâché ici une bonne quantité de moustiques avec la bactérie Wolbachia. Et il n'y a pas eu de cas ici récemment de Zika ou de dengue. Tu peux le mettre ici, dans le petit coin, là. Ah, c'est super comme endroit. C'est bien protégé du soleil. Oui, du soleil et de la pluie. Firmo, obrigado. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Une première phase de ce programme a déjà été menée dans ce quartier voisin. Bon, Gabriel, là, on a la favela de Jurujoba. Vous avez fini de la quadriller, comme on dit. Est-ce qu'on sait à peu près combien de moustiques sont porteurs de cette bactérie? Pendant 10 à 12 semaines, on a libéré des moustiques ici à Jurujoba. Un an plus tard, plus de 80% de la population des moustiques est porteuse de la bactérie Wolbachia. 80% des moustiques sont donc devenus, ici, les alliés de la population. Un espoir pour l'instant au stade de l'expérimentation. Alors en attendant, pour limiter la propagation de Zika, une autre piste est poursuivie. Pour lutter contre les épidémies, le meilleur moyen, c'est de mettre au point un vaccin. Le vaccin a été une véritable révolution en médecine. Et cette idée, on la doit à un chimiste français qui, avant de devenir célèbre, a pris des risques énormes et a dû braver bien des interdits. Ce chimiste, vous le connaissez? C'est Louis Pasteur. En ce jour de juillet 1885, un petit garçon parcourt un chemin qu'il connaît bien. Comme chaque matin, Joseph se rend dans le village voisin de Messengott. Joseph, Meister, est le fils du boulanger. Il a 9 ans. Il a ce jour-là une gamelle à la main parce qu'il va chercher de la levure pour son père. Arrive un chien enragé. Il se précipite sur le gamin et le mord à plusieurs endroits, véritablement des morsures profondes. Il est mordu gravement à la main et puis aux jambes. Donc il a 14 morsures. Il est tout ensanglanté. Alerté par les cris de l'enfant, un voisin est parti prévenir sa mère et le médecin du village. Malgré la gravité de l'attaque, Joseph a survécu. Mais ses parents le savent, une terrible menace pèse désormais sur lui. Les parents ont été extrêmement inquiets parce qu'ils savaient que la rage était une maladie épouvantable. Depuis des siècles,
la rage hante l'imaginaire collectif. Les symptômes sont absolument terrifiants. Les malades sont très agités, parfois hurlants. On est obligé de les attacher. On sait que quand vous avez été mordu, vous avez une chance importante de développer cette maladie. Quand cette maladie commence, plusieurs semaines après la morsure, c'est la mort à 100%. Aucun traitement possible. Si Joseph a été contaminé, c'est une condamnation à mort. Désespérée, sa mère cherche par tous les moyens à sauver son fils. Le médecin du village a entendu parler de ce monsieur Pasteur qui travaille à Paris dans un laboratoire et qui travaille sur la rage. C'est peut-être ça l'espoir, le seul espoir pour Joseph. Sa mère n'a plus qu'une idée en tête: amener son fils chez ce monsieur Pasteur. Dès le lendemain de l'attaque, ils quittent leur village d'Alsace. Deux jours de voyage éprouvants. Et à Paris, il leur faudra encore attendre de longues heures avant de trouver celui qu'ils cherchent. Et ils vont arriver donc le 6 juillet devant le laboratoire de Pasteur rue d'Ulm. C'est dans ce laboratoire de l'École normale supérieure que Pasteur a fait toute sa carrière. À 63 ans, c'est un chercheur reconnu pour ses nombreuses découvertes sur les maladies animales. Mais il n'est pas encore le savant légendaire que l'on connaît aujourd'hui. Louis Pasteur, pour les Français, c'est un monstre sacré de la science. Il va éclairer toute la science de la fin du 19e siècle de ses découvertes. Mais au départ, il n'est que chimiste. Depuis 4 ans, le chercheur travaille sur la rage. Il a réussi à mettre au point un vaccin qui fonctionne sur les chiens. Mais Pasteur n'a jamais rien tenté sur l'homme. C'est pourtant ce que vient lui demander Madame Meister, qui voit dans ce vaccin l'unique moyen pour sauver son fils. Là, il faut qu'il prenne une décision, d'autant que Madame Meister le supplie d'appliquer cette vaccination. Pasteur est assailli par le doute. Car ce vaccin expérimental n'est autre que le virus de la rage. Injecter le microbe pour forcer l'organisme à le combattre, c'est l'idée folle que Pasteur a eue quelques années plus tôt, en menant des travaux sur des poules. À l'époque, il cherche un remède contre une maladie qui décime les basses-cours, le choléra des poules. Pasteur revient de vacances et fait une expérience qu'il a l'habitude de faire. Il inocule une bactérie, le choléra des poules, et personne ne meurt. La poule continue à se porter comme un charme. Elle va très bien. Que s'est-il passé ? Pasteur mène l'enquête et il découvre que le flacon contenant la bactérie était resté ouvert tout l'été. Perplexe, le chercheur injecte aux mêmes poules une bactérie, provenant cette fois d'un flacon fermé. Toutes les poules survivent, elles sont devenues résistantes aux bactéries virulentes. Grâce à ce coup du hasard, Pasteur comprend qu'il est possible de prévenir certaines maladies. Le fait de prendre un germe atténué, moins virulent, permet de protéger l'organisme, à l'avenir, contre le germe virulent. Il a découvert le vaccin. C'est ce principe révolutionnaire que Pasteur décide d'appliquer à la rage. Il veut marquer les esprits en choisissant une maladie animale transmissible à l'homme. Le fait que ce soit une maladie animale, ça lui permettait d'expérimenter sur l'animal avant de pouvoir penser à appliquer son vaccin à l'homme. Pasteur et son équipe commencent les expériences sur les chiens enragés en 1881. Non sans risque.
C'est extrêmement dangereux. À tel point qu'ils avaient mis un pistolet chargé dans le laboratoire. Et il était entendu que si l'un d'eux se faisait mordre par le chien enragé, eh bien, il fallait lui le tuer d'un coup de pistolet. C'est une histoire incroyable, mais écrite. Pour limiter les risques, Pasteur a l'idée de cultiver le microbe de la rage sur un animal moins féroce. Il prélève un fragment de cerveau de chien malade, puis il l'injecte dans le cerveau et la moelle épinière d'un lapin pour le contaminer à son tour. Cette moelle infectée va lui servir de matière première pour fabriquer son vaccin. Pasteur suspendait cette moelle épinière dans un flacon qui avait une circulation d'air et il y avait en même temps de la potasse qui permettait d'absorber l'humidité parce que sinon la moelle risquait de pourrir. L'aération plus le dessèchement va entraîner une perte de la virulence et il va obtenir ainsi une souche atténuée de virus de la rage. Pasteur broie cette moelle de lapin, la dissout dans un liquide. Puis il injecte au chien des doses de virus de plus en plus fortes. Il va commencer par une moelle qui a séché pendant 15 jours, et puis le lendemain, ça va être une moelle de 14 jours, puis de 13 jours, etc. Et progressivement, va utiliser des moelles de moins en moins desséchées, donc de plus en plus virulentes, pour protéger et immuniser complètement l'animal contre la rage. Pasteur multiplie les tentatives pour s'assurer de l'efficacité de son vaccin sur le chien. Mais lorsque Joseph Meister arrive, il est toujours en cours d'expérimentation. Impossible de savoir si ce procédé peut marcher sur un être humain. À dire vrai, les expériences sur le chien n'étaient pas encore tout à fait suffisantes. Quand on lui demande de vacciner cet enfant, il n'était pas prêt. Ses expériences étaient en cours. Il n'avait pas de confirmation. Et pourtant, il faut faire vite. L'attaque remonte à 2 jours. Le virus de la rage a commencé sa course folle vers le cerveau du petit garçon. S'il atteint sa cible, le vaccin n'aura plus aucune efficacité. Pasteur prend la décision. Il faut vacciner cet enfant. La nuit vient de tomber. Joseph est installé dans une petite chambre attenante au laboratoire. Dans la clandestinité la plus totale, le chercheur s'apprête, sans le savoir, à changer le cours de l'histoire. Pasteur a fait venir un médecin, le docteur Granchet, parce que lui, Pasteur, ne peut pas faire l'injection. Il n'est pas médecin. La seringue est posée sur la paillasse. Il va falloir l'injecter au niveau des côtes, chez l'enfant. C'est une injection douloureuse. Pasteur regarde. Le docteur Granchet injecte première seringue avec ce vaccin. Et évidemment, Pasteur est dans une angoisse folle. Pasteur applique à l'enfant le même protocole que celui utilisé sur les chiens. 13 injections successives contenant des doses de virus de plus en plus virulents. Le traitement va durer 10 jours. Pasteur a été voir Meister plusieurs fois par jour pour voir comment il réagissait aux piqûres. Il se lève parfois la nuit aussi pour savoir s'il n'est pas fiévreux, dans quel état il se trouve, s'il n'a pas de symptômes apparents. Au 10e jour, Pasteur prélève la moelle épinière d'un lapin qui vient de mourir de la rage. C'est l'ultime étape de la vaccination. Elle est incroyablement risquée. La dernière injection est véritablement le virus de la rage. On comprend toute l'angoisse, la charge émotive qu'il pouvait y avoir dans ce geste qui n'avait jamais été fait chez l'homme auparavant. Ensuite, il fallait attendre. Épuisé par ces 10 jours, Pasteur se retire dans sa maison natale du Jura. Il vit au rythme des lettres décrivant l'évolution de l'état du petit garçon. Et puis, fin juillet, la lettre qui véritablement le rassure
Puisque Granchet autorise Joseph à rentrer chez lui, il est guéri, il n'a pas la rage, l'expérience finalement s'est très bien passée, Pasteur a gagné. C'est une immense victoire. Mais Pasteur garde le secret. Il attendra d'appliquer son vaccin à un second patient, Jean-Baptiste Jupille, pour dévoiler ses résultats 3 mois plus tard. Le 26 octobre 1885, le chercheur expose sa découverte devant l'Académie des sciences. La presse française s'enflamme, mais la presse étrangère également. Et on sait dans le monde entier qu'il y a en France un monsieur qui peut vous empêcher d'attraper la rage quand vous avez été mordu par un chien ou un loup enragé. Et à ce moment-là, les gens arrivent du monde entier. De Russie, des États-Unis, d'Algérie, des centaines de mordus afflue vers le laboratoire de Pasteur. Les petits locaux de la rue d'Ulm ne suffisent plus. Le scientifique de renom veut créer un établissement de grande envergure. Ce sera l'Institut Pasteur, inauguré en 1888. Très rapidement, il deviendra bien plus qu'un centre de vaccination contre la rage. Pasteur et ses élèves vont se mettre à chercher des vaccins pour toutes les maladies possibles et imaginables. Ils en trouveront beaucoup, et c'est véritablement la médecine du XXe siècle qui va être initiée par la vaccination contre la rage. Pasteur meurt en 1895 en héros national. On estime aujourd'hui que les vaccins permettent d'épargner chaque année 3 millions de vies humaines. À Rio, l'équivalent de notre Institut Pasteur, c'est cet établissement, la Fiocruz. J'y rencontre Marcos Frère, qui dirige l'unité vaccin. Il est le digne héritier du médecin qui a fondé les lieux au début du XXe siècle, Osvaldo Cruz. Osvaldo Cruz était chargé du contrôle des maladies, principalement infectieuses, avec notamment la lutte contre les parasites et les moustiques, mais aussi la variole, par exemple. Il est allé à l'Institut Pasteur avant de construire ce château. D'ailleurs, les tuiles viennent de France, de Marseille. Face à l'épidémie de Zika, l'Organisation mondiale de la santé a demandé à plusieurs laboratoires du monde entier de développer dans l'urgence un vaccin. Les équipes de la Fiocruz participent à cette course contre la montre pour mettre au point un vaccin particulièrement complexe, puisque sa cible, ce sont les femmes enceintes. Il ne doit donc présenter aucun risque pour le fœtus. Il est bien évident que pour une femme enceinte, on ne va pas lui injecter le vaccin avec un virus vivant. Donc vous travaillez sur quel type de vaccin ? Notre priorité, c'est de rendre inoffensif le virus Zika. On va donc en utiliser des fragments. Ils vont provoquer chez la personne vaccinée une réaction immunitaire contre Zika, mais sans créer d'infection. C'est le vaccin sur lequel on travaille, dans ce contexte d'urgence. La vaccination reste à ce jour le moyen de prévention le plus efficace. Reste à pouvoir fabriquer un vaccin rapidement, car il faut en général 10 à 15 ans pour en développer un. L'équipe de Marcos s'est lancée le défi de réussir dans les 5 ans. Ensuite, il faudra mettre en place une stratégie vaccinale. En clair, qui sera vacciné en priorité ? La stratégie que nous adopterons sera de vacciner en priorité les femmes en âge de procréer. Et dans un second temps, de vacciner les jeunes filles sur le point d'entrer dans cette phase. C'est ce que j'imagine en tout cas. Pendant très longtemps, on a cru qu'il fallait vacciner tout le monde pour tenter de contenir une épidémie, jusqu'aux travaux d'un jeune médecin américain qui a réussi le tour de force de faire disparaître une maladie en ciblant seulement une partie de la population. Vous allez découvrir comment, grâce aux travaux de William Feggy, c'était en Afrique dans les années 60, la variole a complètement été éradiquée de la surface de la Terre. C'est une tragédie dont l'Inde ne parvient pas à se défaire depuis des millénaires. Impitoyable, insoutenable. Au début des années 70,
la variole continue de décimer les populations. La variole, c'est une maladie qui terrifie les gens. Et il suffit de voir quelques patients atteints de variole pour avoir peur de cette maladie, le corps couvert de pustules. Le malade est à peu près comme un grand brûlé, avec tout son corps, à vif, une vraie plaie ambulante. L'agonie est épouvantable. Et la mort survient, très souvent, vers le 10e jour. Pourtant, il existe un vaccin pour prévenir la variole. Les pays occidentaux sont parvenus à se débarrasser de ce fléau en organisant des campagnes de vaccination de masse. Mais en Inde, le problème paraît insoluble. Cette vaccination de masse est très difficile à mettre en œuvre sur le terrain parce que beaucoup d'individus passent à travers, il n'y a pas de papier d'identité, il y a des migrants, des mouvements de population très importants. C'était un échec total. Comment l'Inde peut-elle venir à bout de la variole? En 1973, l'Organisation mondiale de la santé joue sa dernière carte. Elle envoie sur place un jeune médecin américain. Il s'appelle William Feggy. Et il va réussir, là où tout le monde a échoué. Il fait partie des bienfaiteurs de l'humanité qui a pu trouver, par son idée, le moyen d'épargner des millions et des dizaines de millions de vies humaines. L'histoire de cette incroyable réussite commence 7 ans plus tôt, dans un petit village du Nigeria. 50 ans plus tard, William Feggy s'en souvient avec émotion. D'après mes souvenirs, c'était un dimanche. J'ai reçu un message radio d'un missionnaire. Il m'a dit qu'il y avait sans doute un cas de variole dans son village. Et il m'a demandé de venir. William Feggy vit au Nigeria depuis 1 an, médecin volontaire, dans le cadre d'une mission protestante. William Feggy est un jeune médecin, idéaliste. Il est fils d'un pasteur luthérien et il est plein de bonnes intentions. Il a envie de sauver l'humanité. Ce matin-là, pas une minute à perdre. Le docteur Feggy part immédiatement voir ce cas suspect de variole dans un village reculé. Avant même d'arriver, le jeune médecin redoute ce qu'il va découvrir. On peut reconnaître la variole rien qu'à l'odeur, avant même d'entrer dans la chambre du patient. C'est sans doute à cause des chairs en décomposition tout autour des pustules. C'est le genre d'odeur que personne ne peut oublier. Il arrive dans la maison et là, il voit un jeune homme de 20 ans couvert de pustules de la tête aux pieds et le diagnostic ne fait aucun doute. Il s'agit bien de la variole. On ne peut pas faire grand-chose pour les malades de la variole. Il n'existe aucun traitement pour soigner la maladie une fois qu'elle a commencé. Pour ce patient, il est déjà trop tard. Mais il y a une urgence. Éviter à tout prix que ce virus très contagieux ne se propage à l'ensemble de la région. Comment faire ? Le médecin américain connaît parfaitement les recommandations officielles. La stratégie habituelle à cette époque pour faire face à une épidémie de variole, et à vrai dire la même depuis 160 ans, c'était de faire des vaccinations de masse. L'idée était de vacciner 80% de la population. On sait que quand on atteint le seuil de 80%, la maladie devrait disparaître. Mais le docteur Feggy le sait. Cette fois-ci, l'objectif sera impossible à atteindre. Il n'a que très peu de doses de vaccin. Et là, il est désespéré. Car la maladie va se disséminer à toute allure. L'incubation de la maladie, c'est 14 jours. Dans les 14 jours qui vont suivre, il va y avoir une expansion de la maladie. L'épidémie menace. Il faut trouver une solution au plus vite. Le soir même, William Feggy retrouve d'autres médecins américains en poste dans la région. Les discussions se poursuivent tard dans la nuit.
Et là, Fugy a une idée absolument géniale. Il a l'idée de s'intéresser à ce qu'on appelle les patients contacts. C'est-à-dire de ne vacciner que les gens qui étaient en contact prouvé avec un varioleux. En quelque sorte, créer une sorte de bouclier humain autour du varioleux avéré. Avec ses faibles quantités de vaccins, le docteur Fegui ne peut vacciner que très peu d'habitants. Mais en choisissant uniquement ceux qui vivent à proximité d'un malade, il est convaincu de pouvoir stopper la transmission du virus. La première étape pour contrer cette explosion épidémique était de faire une cartographie. Où sont les patients, finalement? C'est le point essentiel, recenser les cas où se produit l'épidémie, qui est atteint, nombre de personnes atteintes. Pour repérer chaque malade de la variole, le médecin va s'appuyer sur un réseau de missionnaires installés de longue date. J'ai pu attribuer à chaque missionnaire une zone de la carte. Et je leur ai demandé d'envoyer des gens dans chacun des villages de leur zone pour savoir exactement où il y avait de la variole. Commence alors une traque sans relâche. Village après village, Fegui et ses équipes recherchent toute personne contaminée. Et il a trouvé 3 ou 4 foyers principaux. Et donc, il a concentré tous ses efforts, il est allé avec des équipes pour vacciner les sujets contacts dans ces 3 ou 4 endroits. Cette stratégie de vaccination va à l'encontre de ce que le monde entier avait toujours fait pour combattre la variole. Et pourtant, elle est redoutablement efficace. En vaccinant seulement 7% de la population, au lieu des 80% recommandés, le jeune médecin a remporté son pari. En l'espace de 3 semaines ou 1 mois, l'épidémie s'est arrêtée. Et ça, c'était une surprise. La conclusion s'impose. Monsieur Fugy a trouvé la solution. Une solution qui semble miraculeuse. Grâce à la stratégie du docteur Fegui, la variole est éradiquée d'une 20aine d'autres pays africains en à peine 3 ans. Au début des années 70, suivront plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Asie. Mais le combat n'est pas terminé. En 1973, la variole continue de semer la mort en Inde. William Fegui vient d'arriver pour appliquer sa nouvelle stratégie de vaccination. Le défi qui l'attend est immense. Ses équipes partent immédiatement à la recherche des malades. Et là, ça a été le choc. En 6 jours, ils ont trouvé 10 000 cas de variole dont personne ne soupçonnait l'existence. Dans l'Inde, on pensait qu'il y avait 100 000 cas. En fait, il y a au moins 1 million, peut-être même beaucoup plus que ça, de cas. Ça, c'est la très mauvaise surprise que va constater Fugy. La tâche semble surhumaine. Comment localiser autant de malades dans un pays surpeuplé? William Fegui est obstiné. Il jette toutes ses forces dans la bataille. Il va mobiliser d'abord la population en engageant des centaines de milliers de travailleurs sociaux qui étaient rémunérés, en rémunérant aussi des gens qui déclaraient les cas de variole pour pouvoir avoir exactement les endroits où il y avait des foyers potentiels d'épidémie. Il va s'attaquer même aux écoles. Il va aller dans les écoles, il présentera des photos de personnes atteintes de variole et là, l'enthousiasme se développe chez les enfants. Les enfants se battaient pour lever la main et disaient « je sais où il y a un cas de variole ». Plus aucun malade de la variole ne passera à travers les mailles de ce système de surveillance. Le docteur Fegui peut enfin appliquer sa méthode de vaccination ciblée, imaginée en Afrique. En quelques semaines, les résultats s'avèrent spectaculaires.
En Inde, on est passé du taux le plus élevé de variole jamais observé depuis des décennies à strictement plus aucun cas en l'espace de 12 mois. En Inde, le dernier cas de variole est recensé en mai 1975. Un an pour éradiquer, ça paraît magique. C'est un exploit extraordinaire. Et William Figgy a une grande importance dans cette histoire. La variole a définitivement disparu des derniers pays touchés en 1977. C'est à ce jour la seule maladie humaine que l'on ait réussi à éradiquer de la surface du globe. À Recife, on attend le vaccin contre Zika avec impatience. Face à l'ampleur de l'épidémie, le centre associatif dédié aux enfants handicapés peine à accueillir tous ceux que l'on appelle désormais les bébés Zika. Désordre neurologique, déficience motrice, troubles de l'audition et de la vision, ces bébés cumulent souvent les handicaps. Et seule une stimulation régulière leur permet de progresser. On va retrouver... Patricia m'accompagne auprès de Miguel et de sa maman. Ils sont en pleine séance de psychomotricité avec Anna Patricia. Pour me dire, Anna Patricia, qu'est-ce qu'on leur fait faire ici ? Ici, on fait de la rééducation. On aide les enfants à développer tout leur potentiel selon leur capacité motrice. Miguel, c'est un enfant qui tient bien sa tête. Et maintenant, on travaille sur son buste pour qu'il réussisse à mieux s'asseoir. Diagnostiqué tardivement parce qu'il avait un tour de tête normal, Miguel ne tient pas assis malgré ses 1 an et demi. Et ne se sert pas de sa main gauche. Ce qui est important, comme on a vu que le virus attaquait les cellules, les neurones de ces enfants au moment de leur formation, de leur multiplication, finalement, ces enfants qui ont une microcéphalie, ils ont quand même des neurones, heureusement, qui ne pourraient pas vivre sinon. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est une stimulation de ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire connecter les neurones qui restent finalement entre eux pour augmenter les facultés de l'enfant. Oui, on travaille très tôt, au moment où ces connexions se créent. Quand on fait un mouvement, quand je vois que le bébé cherche à faire un geste, je lui enseigne la meilleure façon de réaliser ce geste. Et là, oui, les connexions se font dans son cerveau. Glossini, quels sont vos espoirs à vous en tant que maman sur ce qu'il va pouvoir apprendre ici, comment il va progresser, puis sur son avenir ? Aujourd'hui, je pense au jour le jour. Son futur, pour l'instant, c'est déjà pouvoir s'asseoir tout seul. Et après, dans le futur, ce sera marcher. Donc je fais un pas après l'autre. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Puis je vais faire un petit bisou quand même à Miguel Lucas. Au revoir. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Régal. Miguel, comme les autres bébés Zika, devra sans doute être accompagné toute sa vie. Une prise en charge lourde et coûteuse que les familles, majoritairement issues des favelas, ont du mal à assumer. Je retrouve Milena et Jocinaldo, les parents de Davy. Depuis la naissance de ce bébé handicapé, leur vie a basculé. Comme Davy a besoin d'un suivi médical permanent, sa maman a été obligée d'arrêter de travailler. Le couple ne vit plus qu'avec l'équivalent de 270 euros par mois. Est-ce que vous recevez des aides de l'État parce qu'il souffre d'un handicap, Davy ? Non, je ne reçois aucune aide. On vit juste avec le salaire de mon mari. Les soins médicaux, on ne paie rien. Tout est généralement pris en charge par la Sécu. Mais de temps en temps, on doit quand même avancer l'argent pour certains examens. La quasi-totalité de l'argent du couple est consacrée aux dépenses pour Davy. Et l'un des plus gros postes, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est le lait infantile. On va chercher du lait, là. C'est du lait spécial ?
À presque un an et demi, Davy a du mal à déglutir. Il continue donc à se nourrir essentiellement de lait. Ça fait quand même 12 euros la grosse boîte de lait, hein, c'est cher. Hein. Donc votre mari il gagne 270 euros par mois, c'est un salaire pour vous deux, et rien que le pot de lait, il coûte 12 euros. Combien de temps vous tenez avec cette boîte de lait pour Davy? Une semaine seulement. Ça veut dire que pour un mois, il faut 50 euros de dépenses de lait. Seulement du lait. Seulement du lait. Obrigação de quem cria é Davi acalenta. Quel est l'avenir de Davy et de tous ces bébés Zika? C'est toute une génération d'enfants que le Brésil doit désormais prendre en charge, sans que l'on mesure encore l'ampleur de cette catastrophe sanitaire. Ayant été contaminé une première fois lors de l'épidémie de 2015, une grande partie de la population brésilienne est désormais immunisée contre Zika. Mais le virus est toujours une menace mondiale. Il a été détecté dans 70 autres pays. Aujourd'hui, le Zika n'est plus considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme une urgence sanitaire mondiale. Pourtant, le virus, bien sûr, poursuit sa route, il traverse les frontières, il va être surveillé de très près. Et seule une coopération et une vigilance mondiale permettront de contenir les épidémies qui nous menacent. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de médecine.